Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap. Bonjour. Supprimer le personnage, sélectionner, mais il n'y a pas de personnage. J'avais fait une femme en plus, elle s'appelait Amixette la pêche. Amixette. On dirait le nom de tes fans, femme. C'est ça. C'est mes Amixettes. Alors je vous présente mes Amixettes. C'est comme Claude François, c'est Amixem et ses Amixettes. Oui, c'est moi. Non. Oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Je la recrée. Amixette la pêche. Alors, je m'étais entraîné, j'explique aux gens, parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube, hein, je parle un peu dans le vide. J'avais créé un personnage et il est supprimé, je suis obligé de la recréer. Donc, c'est Amixette la pêche. Et là, j'ai 0 TP, mec. Ah merde, j'en ai 1200, moi. Je peux te dire que je peux me mettre bien en hameçon. Hein. Eh, tu peux faire tourner aux copains, les TP. Je suis désolé, mec. J'ai vraiment plus beaucoup de TP est... en ce moment. On n'est pas à l'abri d'un petit transfert de hameçon. Type de digue, gravier. Ah, ouais. Le mec il s'y met bien, il achète des hameçons de ouf. Ah mais c'est cool. Le gars il a 3 cannes et tout. C'est pas les hameçons qui comptent, c'est pas parce que t'as les perches décathlon que tu pêches moins bien que les autres. C'est la façon de pêcher. Ce qui compte c'est l'instinct. Moi là, la carpe je la sens avant d'arriver au lac. Dans la voiture je la sens. Ils ont oublié de mettre un bouton appliqué du tout, du coup on peut pas. Oh des cons. C'est bon. Du coup tu peux mettre en 1080p mais juste dans le menu. Dès que tu quittes ça revient. Et moi perso je le fais tourner en ultra. Oh le bâtard. Non moi déconne pas, je lag. Mec, il se la pète sur un jeu de pêche. Je peux te dire que... J'ai mis des mods pour les textures des carpes. Et arrêtez de me demander c'est quoi ton pack de textures sur les carpes. J'en ai marre. Attends, j'ai pas fini d'acheter mes hameçons. T'es vraiment un connard. Ouais. Moi j'ai 0 TP, j'ai dû tout recommencer. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça va, j'ai juste acheté, tu sais quoi, un seul hameçon et... Ah, alors, heure de début, 7h. T'es plutôt matinal ou... Ah, je suis un couche-tard moi, hein, donc... Bah, justement, là, si tu te couches pas, mets-moi 8h, pas 7h. J'ai peur qu'il fasse un peu de nuit. Durée de la journée. Longue journée, longue nuit. Tu veux qu'on joue 2h? Bah, non, mais. Pas con. Attends, non, fais 1h à jour. Pas con. Là, au moins, il y a une limite, tu vois, je veux dire. Nuageux, grosse averse, aléatoire, ciel dégagé. Bon, ciel dégagé, est-ce que la carpe, elle aime pas la pluie? Vent activé. Sélectionner le lac. Ah. Alors, il y a Observatory. La reine. Les yeux, là, mais je te fais confiance. Angleterre, Saint John Lakes. Putain, Saint John Lakes, il est badass, moi je crois. Fais gaffe, il y a une difficulté pour le lac. Ah merde. Ah, j'ai pris l'avant-dernier. Parce que si c'est. C'est vraiment dans le jeu vidéo, tout ce qui se rapproche du dernier, c'est plus dur. Ouais, mais attends, moi si on me dit pas que les lacs c'est la difficulté, qu'est-ce que j'y peux? À la fin, il y avait marqué Japon tsunami. Pêche au gros. T'es en train de surfer avec un chalutier sur une vague de tsunami. T'as des requins qui sautent et tout. Tu peux inviter les copains? Inviter à jouer. Une invitation est envoyée, t'as un signe. Amixette vous invite à jouer à Eurofishing. C'est bien le seul moment de ton histoire de jeu vidéo où tu vas accepter ce genre d'invitation. Vous invite à jouer à Eurofishing. C'est vraiment le mec lourd, t'sais. Oh non. Oh, il est chiant. Eh les gars, il y a Amixem qui m'a vu t'acheter au Eurofishing. Bonjour. Non. Oh. On n'a qu'à dire que je suis ta femme. Salut Amixem. Salut. Bon bah on va commencer par pêcher. Allez, ici. Bah moi j'y connais rien, hein. Je suis ta femme. Habituellement, le truc c'est le shopping. Attends, mais c'est interdit de pêcher. Ah merde, 500 bandes pour ça. Bon bah on retourne dans la bagnole. Tant pis. Range la canne chérie. Ah, c'est con quand même. Enfin, qu'une belle journée comme ça. On sort les fusils, on va chasser. Bon, alors, je peux pas mettre FPS là. Mais moi non plus, quelle nuit. Oh merde. Attends, paramètres. Où j'ai mis en mode hardcore, c'est pour ça. Tu fais pipi chérie. Non, c'est bon, tout est dans les bus. Est-ce qu'on se fait un premier lancer en quinconce? Ça veut rien dire. Attention, à vos marques. Lancez. Feu. Alors attends, j'ai fait 28 yards et toi? Je suis pas en yard moi. J'ai envie de mettre. Je suis en 17 mètres. Ah, pourquoi? Parce que j'ai mis en métrique dans les options. Mais t'as vraiment que ça à foutre d'aller dans les paramètres pour régler en métrique? C'est pas possible, putain, mais qui fait ça? Oh, tiens, je vais quand même pas laisser les Fahrenheit, attendez. Ah, tu vas ken terracider. Attends. Hop, on bloque la ligne. Oh merde, elle est tombée n'importe où. Tu m'as accroché la gondasse. Bon bah... Non mais je suis trop près là. Oh bon de Dieu. Oh non. Ça saute là-bas. Oui j'ai Attends. Vu. Attends je remonte la ligne, je vais Attends. La tirer un peu. Là c'est mon stop. Putain mais... Toi tu fais de la track.
Au bord de l'eau. Parce qu'on a fait l'académie de la pêche avec Terracide et il nous explique dans la deuxième leçon qu'il y a la traque. T'es mauvais. Merde. Chérie, c'est la première fois que je viens pêcher, je me sens vachement plus fort que toi. Ça arrange pas si je touche ta canne un peu comme ça. Pas de soucis. Pour rien, mais je suis en plein dedans. Attends, j'augmente un peu la tension de mon tambour. Je le pousse à 30. Dis donc, Jean-Mi, tu penses que je le pousse à 42 ou j'abuse? Et ça fait quoi si... Ah non, j'allais dire, ça fait quoi si t'oublies que t'as ta canne en main et que tu barres la voiture et le truc se déroule, t'sais. Et tu rentres chez toi et tout, il y a toujours la pêche qui se déroule, t'sais. Et un mardi, le mardi d'après, la ligne se tend. Et là, il y a 500 morts, il y a un poisson. Là, je suis sur un fond limone. Oh, il y a un poisson à gauche. Saveur. Ah, le bâtard. Saveur. Putain. Ah, saloperie de poisson de merde. Saveur. De l'extérieur, c'est génial. Il va péter ma ligne, le con. Je sors l'épuisette. Sors l'épuisette. Ah non, voilà. C'est bon. L'animation est complètement buggée. Je l'ai perdu! Ah bon? Poisson de merde! Je te vois avec ta flèche qui se balade, qui balaye. Hein, mec, on dirait que je suis une DCA, regarde. Les Américains vont débarquer. Repéré! Oh, 22 mètres! Ah ouais? Mais putain, on peut même pas comparer nos skills. Attends, je vais dans les options, c'est bon, je mets en métrique, y en a marre. C'était où? Je sais plus, c'est dans les options du jeu. Unité impériale métrique. Là, on va pouvoir se comparer nos lancers. T'es prêt? T'es prêt? Ok. Attention. 3, 2, 1. Y'a un poisson là-bas! Oh, mais merde! Oh putain, ce lancé juste devant! Voilà, c'est bon, 31 mètres. Ah merde, je suis à 10 mètres. Petite bite. Auprès là, 9 mètres. Je voulais faire une blague, mais je pense que ça marche pas parce que le jeu est pas assez bien fait. Mais je voulais lancer ma perche dans la campagne derrière. Ça mord. C'est un chien. Où ça? Attends, je vois les coups, je te dirai pas où. Attends. Je remonte ma ligne. Moi aussi, je remonte en même temps que toi. Je vais arriver au-dessus de la lance. Attends, je vais essayer de te feinter alors. Regarde, Terracide, ça mord là-bas. À droite. T'es sûr qu'il y a de sa mort là-bas? Ah oui, il y a les petites bulles. Ça mord pas, mais tu vois, il y a des bulles. Ouais, exactement. S'il y a des bulles, il y a de la vie. C'est pas faux, ça. Alors, attention. Feu. Tu l'as pas lancé trop, merde. Là. Elle est partie dans l'espace, tu vois. Ça fait chier qu'on peut pas mettre FPS. Ça va être en fonction du lac ou de la difficulté, je pense. Attends, j'ai pris le Saint John's Lake, quand même. Tu connais le Saint John's Lake? Tu fous pas de ma gueule. Si on peut pas mettre... Oh, oh. Moi, je m'en fous. C'est pour moi, je vais essayer un lancer, je m'en bats les couilles. La patience, c'est pas pour moi, je suis pas pêcheur de métier. Oh, qu'est-ce que... Ah non, c'est l'herbe. Moi, je suis comptable, chérie, à la base, alors... Oh merde, là ça... Ah si, là juste devant là. Oh ça mord. Oh le bâtard. T'as ça mort. Oh non. Viens là. Oh, non, viens là. Non. Attention au jeu que je donne. Attention, pas trop de jeu. Ah, il a pété ma ligne, enculé de poisson de merde. Ah mais attends, t'as... Ah mais ton épisode c'est ta bite finalement. Ça se téléporte immédiatement au niveau de ton sexe. J'aime laisser ma verge pendre dans le lac pendant que je pêche. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je change des poissons. Petit. Tu cherches des asticots? Attends, je capte là, c'est bon. C'est une antenne. Je capte, c'est bon. J'ai les bouches plus, J'ai canal. Est-ce qu'on essaierait pas un autre spot? Bah écoute, on va aller à l'autre spot. Tant Jean Robin. Les pêcheurs les moins patients du monde. Faut qu'on aille dans le limon, c'est tout. Parce que tu veux dire qu'on est équipé pour du limon? Bah oui. Et que nous on essaie de pêcher dans le lac, du coup ça marche pas. Je te suis, on a pas les hameçons adéquats. Je suis déterminé à aller pêcher la poiscaille. J'aurais dû savoir que c'était du limon. Trop agacé. Connasse, elle m'avait dit que c'était de l'herbier. Toujours à me faire chier cette du pomme. Gravier de l'herbier. Connasse, elle y connaît rien, c'est du limon. Je t'en foutrais du gravier, putain. C'est pas de limon, hein. Tu captes du limon, toi. T'as du limon, toi, chérie. Non mais c'est pas du tout du limon. Et qu'est-ce que tu connais en limon, toi? En vérité. Non mais je suis pas sûr qu'ici ce soit du limon. Comment ce ça que je sais, c'est qu'il faut, mais on est là qu'on pour soit quoi dans le limon. Et bah alors pour alors tu te rappelles qu'il faut écouter le bruit que fait l'eau quand on lance la pas pour détecter si c'est du limon.
C'est beaucoup trop compliqué. Là, 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 ça sent le limon, là. Tu sens c'est... Oh, des petites bulles. Oh, les petites bulles qui sentent le limon. C'est à droite, chérie, à droite, hein. Je t'occupe pas, hein. Au cas où, le jeu détecte nos voix. Le jeu abusé. Et en plus, tes conversations sont envoyées à la NSA. Fais bien gaffe à ce que tu dis. Des individus dangereux qui jouent à Eurofishing. Oh là là, oh, mec, je les vois passer, tu les vois passer. Il y a des énormes poissons. Mais c'est plus des poissons, ce stade-là, ça vit dans des lacs, ça. Il y en a un qui arrive vers le mien. Je remonte un peu. Oh, ça mord. Ça mord. Ça mord. Alors, culé. On augmente un petit peu la tension. On augmente un petit peu la fucking tension. Okay. C'est bon, c'est une carpe. Qu'est-ce que c'est? Oh. Attention. Tu vas tendre la ligne, Marcel. Tu vas tendre la ligne. Oh non. Oh, je t'avais dit, pas trop tendre. Merde. Ah, je crois qu'on a grillé le spot à force de gueuler. On est arrivé, il y a des bulles partout. Blop, ce n'est pas là, il y a deux cons. Blop. Attends, je refais un petit lancer. Continue la terrassine. Hein. Nya. Oh attends, non. J'ai vu de la bulle. Oh non. Il suffit juste de donner la force adéquate au mousquet. Là. T'es à combien de mètres quand t'as vendu, t'étais à combien? Moi j'en ai marre de la traque. Moi ça repart sur de la pêche au gros. Bon ok, t'as raison. On part sur du gros. Merde. Non, t'as été loin toi. Hein. Oui, je suis assez bon. Ouais. Regarde, tout là-bas, là, il y a de la bulle. Là, tu la vois bien la bulle. T'es pas. Je pêche les fleurs. Ouais. Le gravier, il fait un lit idéal pour les appâts de fond de lac. C'est le jeu qui me l'a dit. Oh non. Quoi que je suis pas trop dégueu là. Oui. Tu m'en reparleras quand t'auras quelque chose dans ton filet. Et on pourrait pas faire une petite barque? Oh, ce serait bien, putain. Oh, vite, tu ramerais. Et moi, je pêcherais. Pour ça aussi qu'on n'arrive pas à pêcher, les gens qui passent. Eh ouais, putain, ils nous emmerdent. Oh, regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Rien. Rien, je passe en mode track. Je prends vraiment ça à cœur, mais c'est chaud. Même quand je vois CS, je suis presque en l'été. Bordel, pourquoi ça mord pas? Non, c'est chiant, on a eu aucune prise, mec, c'est chaud. Mec, ça a mordu deux fois, j'ai rien dans mes filets, putain. Oh, je suis bien. Oh, ça saute là-bas, mais merde. Tidal, c'est d'augmenter la tension de la ligne. 70, pas plus. 70, c'est vraiment l'idéal. Comme le vieux sage m'avait appris. Attends, je vais bander la ligne. Oh, ça mord. Oui. Ah, putain. Okay, attends, okay. J'arrive. Ok. Fais gaffe. Je suis bien. Tout doux. Je suis bien. Vas-y. Je suis bien, t'es rassuré. Attention, tu tends ton fil, attention. Oh. Prends l'épuisette. Vas-y. Oh non, je n'arrive pas à la... Tu l'as? Non, il est parti. Ah. T'es qu'une bonne femme, tu sers à rien. 30 ans d'entraînement, c'est le moment. Faut tout donner. Tu sais que tu m'envoies des... Tu m'envoies des hameçons dans la tronche, là, depuis tout à l'heure. Excuse-moi, chérie, j'ai agroupé ton chignon. Hop, la casquette dans la mer, t'es content? C'est à se demander si j'ai un appât au bout de mon hameçon. Quoi, ça mord encore? Oui. Mais bordel, mais comment il fait? Augmente la tension de la ligne. Allez, je sors l'épuisette. Attends, avec un peu de chance, il va mordre le mien. Oh, il l'a. Oh, il l'a, le bâtard. Ah, elle l'a, putain. Bla, bla, bla. C'est pas une carpe. C'est oh, fais voir. C'est une baleine. C'est... Attends, c'est quoi? C'est un tench. Non. C'est un poisson. Tu sais évidemment que les battles de pêcheurs, c'est pas la race, c'est le poids. Donc je suis à 1,5 kg. Et j'ai quand même gagné 34 TP. Donc, bon Dieu. Ah, d'ailleurs, dans le livre des scores, tu es 0,6. Eh oui. Moi, je vais me reposer, je vais à la voiture. À plus. Attends, tu peux pas me dire juste à combien de mètres t'étais quand t'as mordu? Mais c'est juste à ta gauche, regarde, y'a plein de bulles. Je suis là depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a de la bulle, putain. Le mec, il fait des lancers de 34 yards depuis tout à l'heure en plein milieu du lac. Et juste devant, ça fourmille. Mais faut faire du jeu avec son hameçon ou pas du tout? Alors, le tout, c'est le mec qui s'attente. Le tout, c'est de conserver une tension de ligne à peu près à moitié du compteur, là, à gauche, là, tu vois. Ni dans le bleu, ni dans le rouge. Oui, quand tu meurs, mais je te parle de quand... Toi, tu meurs pas encore. T'en es pas là. Non, voilà, non, je te parle de quand t'as commencé à mordre. Oui. T'es quand tu bougeais ou pas du tout? On est en plein.
carpe commune, ça. C'est un tench. Je connais ça. Avec du citron et de l'aioli, c'est délicieux. Ça mord ? Oh, ça mord ! Non, putain, c'est pas possible ! Oui, attention, attention, on sort l'épuisette. Et... Oh, hop, hop là ! Brrr. Ah, putain, là, il en a un deuxième. Headshot. Double tuerie. Alors là, par contre, c'est une carpe commune. Normalement, il va mettre carpe... Oh non, tench. À 0,86 hein, à battre. Hein. Tu veux qu'après on aille online pour affronter des joueurs du monde entier? Ouais. Ouais. Mais attends, pour l'instant, il me semble que j'ai pas encore pêché de poisson. C'est vrai que t'en as pêché aucun. Ouais, bah ça va. Hein. Oh, ça meurt. Oh, le bâtard. Ça meurt, putain. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, le bâtard. Faut que je regarde ça vite, vite, vite. Remonte ta ligne. Allez, allez, allez. Ouais, 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 ouais. Sors ton épuisette. Ah, ah, attention. Tension de ligne, tension de ligne. Ah, ah. L'épuisette. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens là, viens là, viens là. ZQSD, vas-y. Oh, oh. Allez, oh non, là, si tu la loupes, c'est pas possible. Non, l'épuisette, mais remonte-toi, l'épuisette. Non. Si, oui. Oh oui. Oh, yes. Oh, GG. Alors, qu'est-ce que c'est? Mec, on dirait que t'es Jésus, genre, prenez ceci, ma chair. Prenez ceci, mon poisson. Wow, ah, merde, c'est... il fait 0,76 kg. Ah, tu m'aurais battu sur le premier poisson, mais non. Dis donc, pas mal. J'en ai chopé un 860 grammes. Donc, ce qui fait bientôt nuit. Oui, bah oui, mais pourtant on a commencé ça à 8h du matin, ça passe à une vitesse. C'est dingue comme les journées vont vite. Tu fais du surplace. Chérie, on dirait bien que ça bloque. J'ai l'impression qu'il y a un mur. J'avais sous-estimé la puissance de ces brins d'herbe. Est-ce qu'on changerait pas de lac? Ouais, vas-y. Allez. J'arrête la cigarette et l'alcool. À 5h du matin. 5h, vas-y. Donc ça, ça veut... Non, mais t'es assis, ça veut dire lever 3h et à 4h, je passe te chercher devant chez toi. C'est pas 5h, on se réveille, c'est 5h devant le lac. Ça va. C'est une fois par an, je peux bien le faire. Oula. Je sais pas si t'es prêt pour celui-là. C'est un gros lac. Ah oui, c'est un lac espagnol avec... Attention, qu'est-ce qu'ils disent? Des orques, des requins et des... Ouais. Oh, non, là, merde. Il faut que j'ai jamais de hameçon assez gros pour ça. Prends ton fusil. On sait jamais. Non merde, je vais rejoindre la partie qui est le gros con. Meuf là derrière toi. Ah c'est bon. Attends, oh merde. Tout que t'as invité, j'ai fait rejoindre la partie. Et vu que t'es dans la même partie que moi, je pense que le jeu s'est dit what the f. Mais c'est juste que mon écran est noir en fait. J'ai rien compris noir. Ah c'est qu'il fait nuit. Ouais, il fait vraiment nuit là. Il est 5h. Bah oui hein. Oh bah oui c'est vrai. Moi je suis juste un peu con alors. Attends, j'ai quoi comme appât? Merde, c'est des mêmes. Putain, j'ai rien acheté en plus, fais chier. De toute façon, j'ai pas assez d'argent. De toute façon, s'il n'y a pas du limon, on est baisé. Voilà. C'est très bien assis. T'es pas non plus obligé de te mettre dans le lac. Je trouve ça un peu cheaté. Regarde-moi là-bas, c'est la folie. Attends, regarde, y a des mecs. Ah merde, j'ai raté mon lancer. Attends, y'a Bubuc. Ah le matin, l'autre, il essaie de nous piquer le poiscaille. On était là avant, monsieur. Putain. Ça va pas te faire chier le monde comme ça. Vous faites chier, on était là avant. Le mec qui s'engueule en silence. Je crois pas que tu vas me choper ma carte. Elle a mordu. Elle a mordu. C'est pas pour Budu ça. La pute. Regarde ça Budu. Regarde ça. Épuisette. 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 Je l'ai. Je vois qu'il saute à côté. Et puis du 24 il a 14. Il a le seum derrière. Regarde. Ah bah moi aussi j'ai le seum. J'ai sa carpe, c'est encore un tench. Oh, poids 1,1 kg. Bra. Dis-moi Budu, j'ai l'impression que ton spot est hyper bien. Fais goûter un peu. Tu sais les mecs qui essayent des polis, qui essayent de faire ses potes. Alors, ça mord? Dis donc Budu, ça mord? Est-ce qu'on essaierait pas de lui choper sa casquette avec un lancer précis? Mec, Budu il a deux lignes. Il a deux lignes, il a son transat aussi. Putain, comment ça se fait qu'il... Ah, attends. Y'en a qui ont les moyens. Est-ce qu'on va voir Puduc? T'es racidé moi, on peut pêcher que dans du limon. T'as pas l'impression de te la péter? Dans le limon d'à côté. Ah ouais? Y'a un limon à côté? Ouais, 30 mètres plus loin. Alors, combien de distance? 19? 30. Ah, tu viens de me le dire en plus. C'est bien, j'ai vraiment une mémoire de poisson. Ah tiens, oh ça mord sa mère. J'ai ça mord, ça mord alors que c'est du gravier, tu te rends compte mon talent? J'augmente la pression. Ça mord sur du gravier, t'imagines? Je remonte. On jauge la tension. Oh là il vient, j'ai l'impression de... Je crois qu'il est mort le poisson, il sert à rien là, aucun combat, même pas... Oh foutu pour foutu.
Bon, moi je me laisse faire, je sais qu'il me relâche après. Hein. C'est interdit, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Et hop là, deuxième poisson. Ah, mais merde, en fait, j'ai fait 5h du matin. Et comme j'ai mis une journée de 24h, bah, le jour il va se lever réellement dans une heure ou deux. Bien joué, ça va faire une belle vidéo de lui. On la referait pas en plein jour. Est-ce qu'on referait pas une partie, dis donc? C'est Budu qui va être déçu. Hein. Ah, mais c'est le fameux lac de Praza del Monte Bravo. Je connais pas. Comment ça, tu connais pas le lac de Praza, merde? Tournois en ligne. Les tournois en ligne sont des compétitions en ligne disponibles pour une durée de temps limitée. Ça va, l'e-sport de la pêche. Excuse-moi, mais je me suis quand même rendu compte que j'étais très bon. Affronter de nombreux pêcheurs en ligne pour grimper tout en haut du classement et devenir le meilleur. Entre parenthèses, peut-être même meilleur que tes racines. Non, tu mets 7 heures. T'es sûr? 7 heures, ça va se lever. Est-ce que je t'ai dit que ça va se lever? Écoute, 7 heures, ça se lève. Alors... Tu laisses tout en une heure et... Non, parce qu'en une heure, ça va faire nuit en moins de 2. Hein. Ok, je mets 4 heures. On va faire en 2. 4 heures, oh, il est malade, lui. mais t'as vu, ça passait vite, c'était déjà la nuit. Oui, mais parce qu'on s'amuse. Ok, je mets 2 heures. C'est pas vrai. c'est là que ça mord le plus. T'es sûr? Bah oui, parce qu'ils remontent le lit de la rivière et ils sont coincés, du coup, ils restent là. Ah, et c'est... oui, mais elle s'écoule dans ce sens-là. Oui, c'est une bonne théorie. Le mec qui commence à prendre à cœur le jeu, ça devient dangereux, là. Effectivement, Terracide. Les poissons sont tous bloqués ici. Pour sûr? Alors. Comment ça se fait qu'on puisse... Viens sur la petite bite, là. Il y a plein de poissons, là. Pardon? Encore sans mêler les pinceaux. Croise pas les cannes, ça porte malheur. On croise pas les cannes! Ça porte malheur. Alors, on fait moins le malin. Attention, parce que là... Quand tu la tiens, ça a aucun sens. T'es tout attends. En haut. Attends, ça va casser. Ça va casser. Non, reviens. Reviens. C'est sûr, l'épuisette. Ah, mais reviens, saloperie de poisson de merde. Oh, j'ai cassé ma ligne, putain. Oh putain, c'est tellement drôle à voir, mec, l'animation. T'es vraiment en galère, ça se voit. Mec, tu me donnes quoi si ça mord là-dedans? On parie, quoi. Attends. Ah merde, on peut pas, putain. Oh putain. Sorti pas que ce jeu c'est bien fait. T'imagines? Je pèse une carpe de 2 kilos dans une flaque d'eau. T'aurais le seum, gros. Non, mais j'imagine les gens qui sont pas youtubeurs humour et qui ont vraiment des let's play sur ça. On s'emmerde. Hein. Je vais retourner sur la presqu'île, vite fait, bien fait. Hein. J'arrive pas à voir ta ligne. Ah, ta ligne, elle est juste devant moi. Énorme. Ah, je la vois, elle est juste là. Attends, j'essaie de te choper un poisson alors que je suis juste à côté. Mais Renault, pareil, il a 3 canapés chez un transat, ils vont arrêter de se la péter. Ok, on se met en mode lancé. Beau gosse. Hop. On est bien. On est... Hop, parfait. J'augmente un peu la tension de la ligne. On est toujours la même réplique. T'as vu, ils sont polis, hein. Renault et X-Max, ils se mettent vraiment à des spots bien différents. Ouais. On marche pas sur c'est les territoires des autres. Respectueux. Ça te dit pas qu'après on aille faire chier Renault parce qu'il se la pète avec ses 3-4 et son transat. Et si on arrivait à lui choper une petite carpe sous les yeux. Mais moi, je pensais qu'il y avait les barques. Bah ouais, bah sur l'autre, il y a les barques. Quoi, ça mord? Oui. Attends, laisse-moi voir ça. Aïe. Oh, c'est un gros, je sentirai fort. Je monte attention. On sort l'épuisette. Vas-y. Chop. Oh, bien joué. Il est tout petit. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un poisson rouge? À limite. Il est tout petit. Il est gris. C'est un poisson rouge albinos. Du coup, il est blanc avec un œil rouge. Moi, j'aimerais bien te voir avoir une prise à un moment. Ton appât est sur la terre. Hein. Ouais, c'est bien ce que je veux dire. T'as bien un scarabée là. Ça mord. Non, chérie, regarde derrière toi. C'est un caillou. Dis-moi, vous auriez pas un peu à boire? Parce qu'avec mon mari, le truc con, on n'a pas pris de bière. On se permet d'en prendre dans votre glacière. C'est votre glacière, je peux ouvrir. Ça vous dérange pas? Il y a 3 lignes, on peut pas. 3 lignes. On peut pas lui carotte ses cannes, mec. Scred. Attends, je fais diversion. Mais c'est pas un gameplay, ça. Le gars, il est planté en plein milieu, il a posé ses 3 cannes, il a même plus, il a rien à faire, le gars. Voilà, j'attends quoi. Là, il est parti pisser, c'est clair. Hein. Si ça mord, j'aimerais bien que ça morde en même temps, là, qu'on soit en mode combat, là. Et moi, ça mord jamais. Tu sais quoi, vas-y, je touche plus ma souris. Superstitieux, à chaque fois, je dis je tends un peu ma ligne, ça mord. Attends, j'essaye. Je tends un peu ma ligne. Ah. Si ça mordait, j'aurais pété. Mais tu sais, je suis sûr, tu deviens vite superstitieux avec ces conneries. Non, mais aussi, la dernière fois, j'avais un t-shirt rouge, c'est normal. Ah, ça mord! Oh le bâtard! Ça mord! Oh, ça mord, putain de merde, ça mord! Vas-y! Panique. Tire le fil!
Allez, on... Allez, oui. Allez, hop, hop, hop. Attends. Non, 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 non. Ouais, oui. Ah, oh, boum. Tu l'as eu? Tu l'as eu? Oh, j'ai les balaises. Oh, joli. C'est quoi ça? Eh, on l'a pas eu, celui-là. Alors, 0,71 kg. Oh, fait chier. Ah, c'était le record du jour. Ils font tous exactement... Oh, mec. Putain. Il y avait un... Il y avait un espadon juste derrière. Le mec, voilà, il t'a nargué, genre, eh ben moi, tu m'as pas eu. Oh putain, ouais, là, alors là, je peux te dire que si ça mord pas, je ne m'appelle pas Terrasse. J'arrête la pêche. Oh, il a posé sa pêche. Mais c'est un feignant. Espèce de lâche. Putain. Alors, autant au niveau musique, j'aime bien ses chansons, mais en tant que pêcheur, c'est vraiment une feignasse. Quand tu vas me dire, on peut pas tout faire, hein. Ça mord. Oh, le bâtard. J'augmente la tension, je suis en train de le ramener. Prépare l'épuisette, chérie. J'augmente, je suis à 94, hein. J'augmente, je le sens, il est féroce, hein. Il se bat. Oh là 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 là, ça va sortir. Oh, le con, pourquoi il va vers Renault? Mais vous deux, vous êtes en train de vous battre avec un poisson, hein. C'est chiant. Sinon, vous avez le même. Ok, je sors l'épuisette. Oh, bien joué, alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, un poisson albinos, merde. Il est un peu plus gros, il a l'air gros. Attends. Oh non, 71 grammes. Oh, ça mord. Oh, le bâtard. Oh, ça mord. Le bâtard. Je me déchaîne avec le maître. Oh. Allez. Mais pourquoi tu mets ta perche en haut tout le temps? Parce que ça tire mieux comme ça. Non. Allez. Ouais. Allez, j'avance. Oh, épuisette. Non. Ouais. Allez. Oh, bim. Allez, qu'est-ce que c'est? Oh merde, c'est tout petit. Moi aussi, c'est un albinos, putain de merde. Oh, il est tout petit dans tes mains, c'est vraiment ridicule. Oh, c'est ridicule. Regarde, chérie, ce que j'ai eu. Tu penses que c'est bien? Oh, ça nous permettra de tenir cet hiver. C'est ça. On se nous fera les provisions pour le mois de novembre. Chier, putain. Mais c'est qui le mec à 11,6 de score? Oh, viens, on va le voir. On va à son spot. De toute façon, j'ai pas le matériel adéquat. Je retourne dans la voiture. Tu me baiseras pas ce soir. Je peux te dire un truc, la canne à pêche que je touche en ce moment, c'est la seule de la journée. Tu croyais que j'allais te rembobiner le tambour ce soir? Je peux te dire que si je le chope... Oh putain, ça va chier. J'avoue que là, vu ta démarche... Oh, alors là, je peux te dire... Tous les poissons du lac, ils sont dans sa tente. Eh, hey, vous, là. Eh, petit centaure. Tu crois qu'on t'a pas vu? Alors comme ça, on pêche tous les poissons du lac, hein? Tu sais qu'il y a une espèce en voie de disparition à cause de toi. Dis donc, regarde, c'est qu'il en a un autre, l'enculé. Qu'est-ce qu'il a chopé encore? On va voir ce qu'il chope. Attends, qu'est-ce qu'il chope? Qu'est-ce qu'il chope? Il a le même matos que nous, il y a une épuisette. Ouais, hein. Alors ah, attention, on va regarder. Ah. Oh, Mais comment c'est possible? Mais t'y entends? Il a 21, mec. Mais quel est ton secret? Il a doublé son score. Putain, j'y crois pas. Et même pas, il se la pète, hein, il est modeste, hein. Non, regarde ça. Il relance la lie. Je pense qu'en fait, il pêche à la dynamique, c'est que les poissons morts. S'il met des petits explosifs discrets le matin. Regarde, il fait une tête, mon gars, c'est énorme. Attends, qu'est-ce qu'il chope, là? Bon, il fait durer le suspense, hein. Ouais. Attends, le poisson rentre même pas dans son épuisette. Ouais, bah oui, attends. Beaucoup trop gros. Il est même pas foutu de le mettre dans son épuisette. Tu rigoles, attends, il fait combien de mètres de profond, le lac, là? Ça fait 10 minutes qu'il rembobine. C'est le Loch Ness. T'es dans une grotte. Arrête ça! T'es sérieux là? On va se mater un DVD dans la tente Quichua parce que. Mais regarde-le! Ah, il sort l'épuisette, Attends. C'est là qu'on va. Oh, mais putain de merde! La lourdeur, le poisson du Mordor! La vache! Quelle beauté! En plus, il nous le présente genre, eh ouais! Regardez ce que j'ai, les gars! Merde! Oh non, il en a encore une, j'ai envie. Non, mais c'est pas possible, il arrête pas d'en prendre. T'es rassis, tu démoralises. Je peux plus. Mais non, mais en plus, il en remonte pendant des minutes et des minutes. Mais quoi. Non. Ah. Attends, on vient de Perpignan pour aller à Pazzo et de mon cul, là, et tout ça, pourquoi? Pour te faire ridiculiser par Ticentaure. Ticentaure. C'est bon. Ah non, il a raté. Il a pas réussi à choper le poisson. Ouais, demande-lui, voilà. Il a chopé un truc énorme encore, non, ce con. Non, t'es sérieux, ça me fait chier. Mate ça. Non, je peux pas voir, merde. Putain, merde. Il est passé à 50. Oh non, j'ai pas vu, t'es sûr qu'il était... Oh oui. Regarde, oh, t'as vu ça? Un truc à moustache.
C'était un truc à moustache, tu sais, vraiment les... C'était les... un truc à moustache. Le bon... Non, le bon hameçon et le bon appât, mec. Mais je peux pas choisir. Moi, oh, t'es marrant. Je la pète, le bon hameçon et le bon appât, mec. C'est la clé du succès. C'est tout ce que je peux te dire. Mais je suis d'accord, un bon hameçon, une bonne ligne, tout ça. Mais de temps en temps, on pourrait quand même pêcher un gros. Par inadvertance. Ouais, c'est clair. T'es encore en train de remonter un poisson, j'en peux plus. Ah, mais il passe son temps à les remonter. Ah, t'aimes pas quand je te touche avec ma canne à pêche comme ça. Arrête. J'ai dit non. J'ai dit non. Pas ce soir. Oh, va-t'en. Je pêche. Il arrive pas à choper, hein. Ah, ah, alors on galère, hein. Alors, par contre, s'il se fail, je peux te dire qu'on va se moquer. Faut lui prendre. Allez, merci. Allez, à plus. Ah, attends. Ça, c'est le moment fatidique, là. Attends, il va te choper. Et oui, il va te choper. Non. Il a raté. Ouais, il a raté. Ah, c'est chaud, c'est un combat. Nous, on s'amuse pas autant. Nous, déjà, quand ça mord, c'est l'excitation. Mais lui, tu t'es accroché à sa ligne. Ta ligne, elle a fait un vieux truc. Bon, alors, tu sens tort, t'es sérieux, là. C'est bon. Le truc, tu l'as pêché dans l'océan, t'es en train de leur faire remonter tout le barrage ou quoi? Ah, tes conneries, là. On peut sans pas l'épuisette, c'est le moment. Épuisette, tu sens tort, voilà. Il remonte. Sacré poisson qu'il a là, hein. Super. Ah, ah. Oh, le bas. Tout ça pour ça. Non, mais... Quoi, tu te fous de ma gueule? Je me barre. Oh, j'ai connu mieux, Tissanteur, hein. Il est à 61, quand même. Ouais, oh. Mais je m'attendais à un truc avec des flammes et tout. Bon, on se fait un dernier spot. Ouais, on se fait un dernier petit spot. L'arène est un site populaire pour les pêcheurs de carpes. Putain, mais... En fait, si t'aimes pas les carpes, n'achète pas le jeu, hein, par contre. Hein. Si t'es spécialisé dans la pêche, parce que c'est vraiment, tu pêches que ça, quoi. Les pêcheurs amateurs et les pêcheurs participent à des compétitions, puisqu'il abrite de nombreuses espèces en quantité et offre un environnement paisible en plein cœur de la campagne française. Attends, parce que je ne suis pas dans ta partie. Alors, tu vas voir, quand tu vas voir la carte, tu vas sentir que c'est pas naturel. Hein. Tu vas sentir que c'est les développeurs qui l'ont faite, parce que... Attends, tu me dis tout en haut à gauche? Ouais. Mais c'est un rond, c'est le donut. Oui, mais on l'avait pas fait encore. J'essaye. J'ai occupé le poste. Dalsum. Mec. Et ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux faire ça, ça, tuc. Ah merde, bon, voilà, j'ai un peu raté. Et après, je peux faire. Oh. Hop. J'ai deux cannes. T'as deux cannes? J'ai deux cannes. Ouais, bah va bien, pire fou, moi je me barre. Hop. Le mec trop consciencieux. Est-ce que le spot. Alors, je prends le spot. Donc, le spot, regarde ce qu'il porte derrière. C'est une roquette. Tu vois la roquette? Oh putain! Oui! C'est la pêche à la dynamite! Alors regarde, toc, je fais. Youp! Alors là, c'est arrivé sur l'île d'en face. Bon. Ouais, voilà! Tu as explosé les pêcheurs d'en face! On est bien là, non? Oui. Fais gaffe, ça te passe à deux doigts de la casquette! Je pêche là-bas! Ah, t'as réussi à pêcher dans la terre! Mais je voulais la faire cette blague! Ah! Ah bah c'est bon! Sans l'épuisette! Oh, joli. Oh boum! Joli! Je l'ai? Oui, tu veux. Ah non! Non, je l'ai pas! Oh, tu as perdu! Merde! Tu sais que. Oh, c'est mort! Oh le bâtard! Ah merde, j'ai encore cassé! Putain! C'est vieux mouvement. Tu sais qu'en fait, ça fait genre 3000 heures qu'on joue et qu'on. Finalement, pour la vidéo, on en aurait assez. Sauf qu'on est vraiment passionné par le jeu. Écoute, moi je servis, je fais encore une prise et c'est bon. Oh, allez. Ça va casser. Ça va casser. Allez. Oh, boum. Allez. Oh, c'est de la merde. C'est un petit poisson de merde. C'est un des plus petits, quoi. Du coup, ça compte pas, on doit le refaire. Quoi? Et d'où? Bah, si, c'était. Si. Ok. Y'a pas d'argument. Bon, si tu le dis. Feu. C'est bon. Bon, ça mort. Oh le bâtard. Oh, tu galères, hein. Ouais, non, ça va, hein. Attends, c'est qu'il est loin. Elle est mort, là, c'est bon. Pour l'honneur, s'il te plaît. Allez, faut le ramener. Je ramène. Tu vas pas y arriver. C'est trop tendu, là. Non. Détends. Ça mord. Attends. Non, ça... Mort. Tu me pourras pas. C'est mort. Ouais. Ah, mais non, ça a pété. Oh, non. Épuisette. Oh, il est gros! Il est gros! Et il me glisse des mains tellement il est lourd! Il est pas trop léger? Il fait. Ah merde! Mais comment ça il fait 20 grammes? Tout à l'heure j'en ai eu un plus petit qui fait 1 kilo! Il y a des poissons en plomb et il y a des poissons en polystyrène, c'est de la merde!
chier. Mais regarde comme il est gros, j'arrive pas à le tenir. Mes mains sont trop petites. Mais il me faudrait une bassine. Ah bah on est pas si mal, chérie. Attends, je suis en train de me dire qu'en fait, tu vois le petit panneau là avec le rond, on dirait une cible. Ça me donne des idées. Oh attends, je l'ai aussi. C'est pas du tir à l'arc. Et... Ah t'es bien toi. Ah merde. Chier. Tu vas ramener des poissons. Ah ouais, tu crois vraiment que t'as fait, je suis le plus gros espèce de con. Je t'ai jamais aimé. Je déteste ta mère. Ok, bon bah c'est la fin de cette vidéo. On vous fait des bisous, à bientôt. Au revoir. Ah c'est bon, on peut arrêter de faire des blagues et d'être amis. Ah bah putain, c'était chiant.